Bonjour et bienvenue dans une séquence d'apprentissage s'adressant aux apprenants de la quatrième année sciences de l'informatique, particulièrement en matière d'algorithmique et programmation. Toutes les connaissances qui vont être initiées aujourd'hui seront présentées par Madame Ibtihel Khawraoui Ben Fraj, professeure principale hors classe au lycée secondaire chez Atallah Qurwen, et ceci sous la supervision de Monsieur Abdelrazak Al-Bazawi, inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Les enregistrements ». Mes chers élèves, prenez place et suivez bien pour qu'à la fin, vous devrez être capable d'identifier l'utilité de l'utilisation d'un enregistrement, de savoir déclarer un enregistrement en algorithme et en langage Pascal et le manipuler à travers des trois opérations telles que l'affectation, la lecture et l'affichage. Pour cela, on va voir dans l'ordre les points suivants. Donc, un rappel suivi de l'utilité de l'utilisation d'un enregistrement, sa déclaration, sa manipulation et à la fin des évaluations. Alors, commençons par un rappel synthétisant les types et les structures de données déjà vues. Alors, je démarre avec l'exercice numéro 1 dans lequel on va se rappeler ensemble les types standards de données. Donc, je lis l'énoncé. Déterminer le résultat et le type de données convenables pour chacune des instructions suivantes. Alors, je commence par la première instruction, là où on a x reçoit carré de 2. Alors, on va obtenir la valeur 4 qui correspond au type de données entier. Je passe à l'instruction suivante. On a y reçoit 7 sur 2. Donc, on va obtenir la valeur 3,5 qui correspond au type de données réelles. Je prends la troisième instruction. Donc, on a Z reçoit la concaténation des deux chaînes bon et jour. Donc, on va obtenir la chaîne bonjour. Donc, c'est bel et bien clair, on parle du type chaîne de caractère. Passons à l'instruction suivante. Donc, on a T reçoit suc de A. Donc, ici, on est en train de chercher le successeur du caractère grand A, qui est le caractère grand B. Donc, ici, on parle du type caractère. Arrivons maintenant à la dernière instruction, là où on a W reçoit 4 supérieur à 2. Donc, on va obtenir la valeur logique vraie qui correspond au type de données booléen. Et voilà, entier, réel, caractère, chaîne de caractère et booléen sont les 5 types standards de données. Alors, passons maintenant à un deuxième exercice dans lequel on va se rappeler les types utilisateurs. Alors, je lis l'énoncé, identifier le type utilisé pour chacun des exemples suivants. Alors, commençons par le premier exemple, là où on a la déclaration du type arc-en-ciel, dans lequel on énumère les valeurs suivantes. Donc, on a rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Puis, la variable C, déclarée de type arc-en-ciel. Alors ici, puisqu'on a énuméré un ensemble de valeurs, donc on parle du type scalaire énuméré. Je passe maintenant au deuxième exemple, là où on a la déclaration des deux types moi et l'être. Alors pour le type moi, il contient des valeurs ordonnées allant de 1 à 12. Et pour le type l'être, contient les caractères ordonnés de grand A à grand Z. Puis la déclaration des deux variables NB et L, respectivement, au type moi et l'être. Donc ici, de quel type utilisateur on parle? Donc il s'agit du type intervalle. Je passe maintenant au troisième exemple, là où on a la déclaration de la constante val qui vaut la valeur 100. Le type tab est un array défini de 1 à val of char, puis la variable t de type tab. Alors ici, puisqu'on a utilisé le mot-clé array, donc on parle du type tableau unidimensionnel, appelé encore le tableau à une seule dimension. Alors, je passe maintenant au quatrième exemple, là où on a la déclaration des deux constantes L et C, qui vaut les valeurs respectivement 3 et 5. Le type mat est un array défini par sa première dimension allant de 1 à L et sa deuxième dimension allant de 1 à C of integer. La variable M déclarée de type mat. Donc ici, on a encore utilisé le mot-clé array
On parle donc du type tableau, mais cette fois-ci, c'est le tableau bidimensionnel, appelé encore le tableau à deux dimensions. Et voilà, en conclusion, une structure de données, quelle que soit sa nature, une constante, une variable de type simple, un tableau permet de sauvegarder une ou plusieurs données de type standard ou utilisateur. Alors, j'en ai maintenant terminé avec la partie rappel et on va passer à une activité de mise en situation. Alors, vous suivez, je vais lire l'énoncé. Dans le cadre de suivi de ces patients COVID, le ministère de la Santé désire informatiser les données relatives à chaque patient dans une liste identique à la suivante. Alors, cette liste contient le code P, c'est le code patient, son nom et prénom, le numéro de chambre, la température corporelle, le genre qui est identifié par M pour dire masculin et F pour dire féminin, la date d'entrée sous forme JJ, donc du mois et année, et la maladie chronique identifiée par O pour dire que le patient COVID possède une maladie chronique, et N pour dire non, et la donnée âge du patient. Alors, d'après cette liste, nous remarquons qu'une fiche d'un patient COVID contient plusieurs informations, plusieurs données. Alors, venons identifier le type de ces données. Alors, pour la donnée code P, on peut l'identifier par le type chaîne de caractère. Pour la donnée nom-prénom, par le type chaîne de caractère aussi. Numéro de chambre, c'est le type entier. Pour la température, ça peut être avec la virgule, donc c'est le type réel. Le genre qui est identifié par M pour dire masculin et F pour dire féminin, donc c'est le type caractère. La date d'entrée, on peut l'identifier par le type chaîne de caractère, la maladie chronique qui prend O ou bien N pour dire que le patient a une maladie chronique ou non, donc on peut l'identifier par le type caractère, et finalement la donnée âge qui prend le type entier. Alors la question qui se pose maintenant, quelle structure va-t-on utiliser pour pouvoir regrouper la totalité de ces données? Alors, nous venons de voir dans la partie rappel qu'une structure de données peut être soit une constante, soit une variable de type simple, soit un tableau. Alors ici, ni la structure constante, ni la structure variable satisfait mon besoin. Tout simplement pourquoi? Car ces deux structures permettent de sauvegarder une et une seule donnée. Par contre, ici, ma fiche de patient COVID contient plusieurs données. C'est pour cette raison que je n'aurai pas besoin de cette structure constante et celle de la variable. Reste maintenant la structure tableau. Et je vous rappelle qu'un tableau permet de sauvegarder des données de type identique. Par contre, ici, ma fiche de patient COVID contient des données de type hétérogène, c'est-à-dire de type différent, tels que l'entier, caractère, chaîne de caractère et réel. Donc, même cette structure de données ne satisfait pas mon besoin, et d'où l'utilité d'utiliser une nouvelle structure de données qui fera l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Et avec cette structure, on peut regrouper des données de différents types. Alors, cette structure de données se nomme enregistrement. Alors, voici un exemple de simulation d'une structure d'un enregistrement que j'ai nommé patient COVID et dans laquelle donc, je peux trouver des données de différents types. Alors, dans le cas général, la structure d'un enregistrement que peut être schématisée comme suit. Donc, c'est un ensemble de données. Une donnée est appelée champ et chaque champ peut avoir un type qui est différent des autres types. Alors, venons maintenant déduire une définition d'un enregistrement. Donc, on va essayer de déterminer les mots trouvés de ce paragraphe à partir de la liste des termes suivants. Alors, je lis la liste des termes. Donc, on a même l'utilisateur, différents, structures et champs. Alors, un enregistrement, c'est quoi? Donc, un enregistrement est une structure de données qui est définie par qui? Donc, définie par l'utilisateur et qui permet de regrouper des éléments de même ou différents types appelés des champs.
Alors, afin de bien saisir cette définition, je vais la relire encore une fois. Alors, un enregistrement est une structure de données définie par l'utilisateur et qui permet de regrouper des éléments de même ou différents types appelés des champs. Alors maintenant, on va passer à la déclaration d'un enregistrement. Comment déclare-t-on un enregistrement en algorithme et en langage Pascal? Alors, je commence par la déclaration en algorithme. Alors, puisqu'il s'agit d'un type qui est défini par l'utilisateur, donc on doit le déclarer au niveau du TDNT, c'est le tableau de déclaration des nouveaux types. Et dans lequel, donc, on met nom type égal enregistrement, on déclare l'ensemble des champs, chaque champ est suivi par deux points et son type, et à la fin, on met fin nom type. Puis, on passe au tableau de déclaration des objets, dans lequel on déclare le nom d'objet avec lequel on va manipuler notre variable d'enregistrement, et dans la deuxième colonne, on met nom type qui est déjà mentionné au niveau du TDNT, et bien sûr à ne pas oublier d'indiquer le rôle de cet objet dans votre programme. Alors pour la déclaration maintenant en Pascal, donc toujours la déclaration des nouveaux types se fait avec le mot-clé type. Donc on écrit nom type égal record. Donc c'est quoi record? C'est la traduction du terme enregistrement en langage Pascal. Donc, on déclare la totalité des champs. Chaque champ est suivi par deux points, son type et point virgule. Donc, à la fin, on clôture la déclaration d'un enregistrement par le mot-clé AND, point virgule. Puis, avec le mot-clé VAR, on déclare le nom d'objet avec lequel on va manipuler la variable d'enregistrement. Donc, on écrit nom objet suivi par deux points, suivi par le nom type et point virgule. Alors, afin de bien maîtriser l'utilisation du vocabulaire en algorithme et la syntaxe de déclaration d'un enregistrement en Pascal, on va passer à l'application suivante. Donc, je lis l'énoncé. Déclarer en algorithme et en langage Pascal la fiche des informations du patient COVID de l'activité précédente. Alors, je commence par la déclaration en algorithme et au niveau du tableau de déclaration des nouveaux types, donc, on écrit patient COVID. Donc, patient COVID, c'est un enregistrement qui contient les champs suivants. Alors, pour le champ code P, il est identifié par le type chaîne de caractère. Pour le champ nom-prénom et de type chaîne aussi. Date d'entrée est de type chaîne. Pour les deux champs, numéro de chambre et âge sont de type entier. Et température est de type réel. Et finalement, les deux champs genre et maladie chronique sont de type caractère. Alors ici, juste une remarque concernant le type chaîne de caractère. On savait que par défaut, une longueur de la chaîne vaut 255 caractères, mais pour optimiser l'utilisation en espace mémoire, on peut attribuer une longueur maximale pour la chaîne. Donc, par exemple, ici, la donnée code P donc, peut être une chaîne de longueur 10 caractères au maximum. Pour le champ nom-prénom, peut être une chaîne de longueur 30 caractères. Et pour date entrée, donc, peut être une chaîne de longueur 15 caractères. Alors, je passe maintenant au tableau de déclaration des objets, là où j'ai nommé mon objet P et son type, c'est quoi? C'est patient COVID. Donc P, il sert à quoi? Il sert à sauvegarder une fiche patient. Alors, on va passer maintenant à la déclaration au niveau du langage Pascal. Alors, avec le mot-clé type, on déclare notre enregistrement patient COVID, donc patient COVID égale record, et on déclare la totalité de champs. Alors, code P est de type string de 10, nom prénom string de 30, date d'entrée string de 15, numéro de chambre et âge de type integer, la température de type real, et pour les deux champs genre et maladie chronique de type char. Alors, après, on déclare notre variable enregistrement nommée P avec le mot-clé var. Donc, on écrit P, deux points, patient COVID et point virgule. Alors, une remarque ici concernant le champ date d'entrée qu'on a le déclaré de type string de 15. Alors, pour ce champ, on peut modifier son type. On peut le déclarer de type
enregistrement. Donc comment? Donc on savait qu'une date est constituée de trois informations qui sont le jour, mois et année. Alors supposons que ces trois informations sont les trois champs de notre enregistrement que j'ai nommé ici date. Donc date c'est quoi? Date est un enregistrement composé de trois champs. Donc c'est pour cela on va modifier ici le type du champ date entrée par le type date. Et comme si le champ date entrée est devenu de type enregistrement. Alors ce qu'on peut remarquer ici, à l'intérieur d'un enregistrement, on peut trouver un champ ou plusieurs champs qui sont déclarés eux-mêmes du type enregistrement. Alors la question qui se pose maintenant, où va-t-on déclarer cet enregistrement date? Alors vous suivez. Donc ici, on a notre enregistrement principal patient COVID. Donc avant de déclarer patient COVID en Pascal, donc on va définir notre enregistrement date. Donc en écrivant date égale record et on déclare les trois champs jour, mois, année et bien sûr un de point virgule. Sans oublier qu'au niveau du TDNT aussi, on doit ajouter le type date, donc le type enregistrement au niveau du TDNT. Alors, pour la déclaration des enregistrements au niveau du TDNT, donc l'ordre n'est pas important, mais on doit respecter l'ordre de déclaration des types au niveau du langage Pascal pour que le compilateur ne génère pas des erreurs. Alors, arrivons maintenant à la quatrième partie de notre plan, c'est la manipulation d'un enregistrement. Alors, dans cette partie, donc, on va voir l'opération d'affectation, l'opération de lecture et l'opération d'affichage. Alors, je démarre avec la première opération, c'est l'affectation. Donc, en algorithme, on écrit non variable point champ reçoit valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va affecter une valeur au champ de notre variable enregistrement. Alors ceci se traduit en Pascal par l'instruction suivante, non variable point champ de point égal valeur et point virgule. Alors je prends maintenant l'exemple du patient COVID vu tout à l'heure qui est manipulé avec la variable P. Alors, lorsque j'écris p.code p reçoit p005, c'est-à-dire que je vais affecter la chaîne p005 au champ code p qui appartient à la variable p. Alors, en Pascal, on écrit p.code p de point égal p005 et voilà, cette valeur est affectée au contenu du champ code p. Alors, je prends un deuxième exemple. Maintenant, je veux affecter la valeur 47 au champ âge. Donc, en Pascal, on écrit p.âge de point égal 47. Et voilà, la valeur est affectée au contenu du champ âge. Je prends un troisième exemple pour mieux comprendre. Donc, maintenant, je veux affecter 39,8 au champ température. Donc, en Pascal, on écrit p.température de point égal 39,8 et voilà, donc cette valeur est affectée au champ température. Alors remarque ici, étant donné une deuxième variable p1 qui a le même type que la variable p et ce type c'est le type patient COVID. Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut écrire p1 reçoit p? Est-ce que cette affectation est correcte? Est-ce que je peux affecter le contenu de la variable P au contenu de la variable P1? Alors ici, puisque les deux variables ont le même type patient COVID, donc cette affectation est correcte. Donc je vais trouver le même contenu de la variable P qui est affecté au contenu de la variable P1. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore avec l'opération d'affectation? Donc, si jamais je veux modifier le contenu de champ, donc par exemple ici, je prends le champ température. Donc ici, j'ai la valeur 39,8. Si jamais je veux modifier cette valeur, donc j'écris l'instruction d'affectation suivante. Donc P1, donc je fais l'accès au champ. P1.température reçoit 37,6. Et voilà, quand vous voyez, le contenu du champ est modifié. Alors, par la suite, si j'écris P reçoit P1, donc tout à l'heure j'ai dit que cette affectation est correcte
puisque les deux objets ont le même type. Donc, ce qui va être modifié ici, donc c'est le champ température de la variable P. Donc, le contenu de la variable P1 va être affecté au contenu de la variable P. Alors, passons maintenant à la deuxième opération de manipulation d'un enregistrement, à savoir la lecture. Alors, en algorithme, donc on utilise le verbe lire, entre parenthèses, nom d'objet, point, champ. Alors, je prends un exemple ici. Donc, lire p.code, lire p.température, lire p.âge. Alors, en Pascal, donc, j'utilise read ou bien readLn. Donc, readLn juste pour provoquer un retour à la ligne dans la lecture. Donc, readLn, entre parenthèses, nom d'objet, point champ, point virgule. Alors, on prend des exemples ici tout en manipulant notre langage Pascal. Alors, par exemple, si j'écris l'instruction readLn p.codeP. Alors, je m'attendais ici à une valeur qui va être saisie au clavier. Donc, par exemple, si je saisis P005, donc cette valeur va être affectée au champ du code P. Alors, si maintenant j'écris readLn p.température, donc je m'attendais encore à une valeur qui va être saisie au clavier. Donc, par exemple, j'ai tapé 39,8 et voilà, donc mon champ est rempli par cette valeur. readLn p.h, encore, je m'attendais à une valeur qui va être saisie au clavier. Par exemple, j'ai saisi la valeur 47. Et comme vous voyez, cette valeur est affectée au champ au contenu du champ âge. Alors maintenant, si j'écris readLn p.dateEntrée, donc je m'attendais normalement ici à une valeur qui va être saisie au clavier. Mais je vous rappelle que le champ dateEntrée, on a modifié tout à l'heure son type par le type date. Donc, c'est un champ de type enregistrement. Donc, vous devez faire attention, mes chers élèves, cette instruction est fausse. Elle est strictement interdite. Donc, la manipulation d'un enregistrement doit se faire champ par champ. C'est pour cela qu'on ne peut pas écrire cette instruction comme suit. Alors, comment va-t-on remplir le contenu des trois champs jour, mois et année? Alors, vous suivez? Donc, ici, je vais faire l'accès deux fois. Donc, la première fois avec l'objet P de mon enregistrement patient COVID. Donc, je vais accéder au champ date d'entrée. Donc, P.dateEntrée. Et une deuxième fois, je vais accéder au champ jour. Donc, je répète. Donc, readLn P.dateEntrée. Jour. Et comme si je peux saisir une valeur à partir du clavier. Par exemple, j'ai saisi 1 et voilà, le contenu du champ est rempli par cette valeur. Alors, ceci va de même pour faire le remplissage du champ mois. Donc, j'écris readLn p.dateEntrée.mois.virgule. Donc, par exemple, je saisis mars et voilà, le contenu du champ est rempli. Alors, de même pour le champ année, donc readLn, toujours je fais l'accès deux fois, readLn p.dateEntrée.année. Et voilà, par exemple, je saisis l'année 2021 et comme vous voyez, donc le champ année est rempli par cette valeur. Et comme si, donc, notre champ date entrée est rempli par la date tout entière à mars 2021. Alors, on va passer maintenant à la troisième opération de manipulation d'un enregistrement. Donc, c'est l'opération d'affichage. Donc, vous suivez. Donc, en algorithme, donc on utilise le verbe écrire entre parenthèses nom d'objet point champ. Donc, exemple. Donc, je prends l'exemple ici de ma fiche de patient COVID. Donc, selon les champs remplis, je vais faire l'affichage. Écrire p.codeP. Écrire p.température, écrire p.dateEntrée.jour, écrire p.dateEntrée.mois, écrire p.dateEntrée.année, puisque le champ dateEntrée est de type enregistrement, et à la fin, écrire p.âge. Alors, en langage Pascal, donc, on utilise write
ou bien right lane. Donc, je vous rappelle right lane juste pour provoquer le retour à la ligne. Donc, je mets right lane entre parenthèses non objet point champ point virgule. Alors, je prends les exemples suivants. Donc, en langage Pascal, donc si j'écris l'instruction right lane code égal p.codeP, donc dans la fenêtre d'exécution, donc je vais avoir l'affichage suivant, donc le message code égal suivi du contenu du champ. Alors par la suite, je vais afficher le contenu du champ température, donc en écrivant right lane température égale p.temperature2.4.1, donc ici j'ai fait le formatage d'affichage tout simplement pour afficher donc un seul chiffre après la virgule. Donc voilà, donc on a dans la fenêtre d'exécution température égale 39,8. Donc maintenant je vais afficher le contenu du champ date d'entrée. Donc je vais précéder le contenu du champ par le message date. Donc c'est pour cela que j'ai écrit write date égale. Donc je vais obtenir le message date égale. Et maintenant je vais afficher le contenu de ce champ champ par champ. Donc j'écris write p.dateEntrée.jour. Donc voilà, je vais obtenir la valeur 1. Ensuite, je vais afficher le contenu du champ mois. Donc j'écris write p.dateEntrée.mois. Donc vous remarquez ici, j'ai utilisé le write et non pas write lane pour faire l'affichage sur une seule ligne. Voilà, je vais obtenir mars. Puis write lane p.dateEntrée.année pour pouvoir afficher le contenu du champ année. Et voilà ma date égale à mars 2021. Donc ici j'ai utilisé write lane pour faire le retour à la ligne et afficher le contenu du champ âge. Donc comme vous voyez, j'ai obtenu âge égale 17. Alors, remarque ici concernant l'accès à un champ. Donc, nous venons de voir que dans les trois opérations de manipulation d'un enregistrement, quel que soit au niveau de l'affectation, en lecture ou bien en affichage, donc on utilise toujours l'instruction nom d'objet point champ. Alors, y a-t-il une autre méthode pour pouvoir accéder au champ d'un enregistrement? Donc, la réponse, c'est oui. Donc, on peut utiliser une structure algorithmique qui se nomme avec fer. Alors, quelle est l'utilité de l'utilisation de la structure avec fer? Donc, avec cette structure, donc, que ce soit en opération d'affectation, de lecture ou bien d'affichage, donc elle permet d'éviter la répétition de l'annotation d'accès par point. Donc, comment va-t-on utiliser cette structure? Donc, il suffit d'encadrer l'ensemble des instructions par cette structure et en omettant l'objet P qui va être encadré par les deux termes avec et fer. Donc, on obtient avec P, fer. Et voilà, ici, on a une affectation simple sur les champs et bien sûr, avec. Alors de même en opération de lecture, donc en omettant l'objet P qui va être encadré par avec fer et on obtient une lecture simple sur le champ. Et voilà, donc c'est de même pour la troisième opération d'affichage, donc en omettant l'objet P et on met P entre avec et fer et on obtient donc un affichage simple sur le champ. Alors pour le champ date entrée, on peut aussi utiliser la structure avec fer pour éviter la répétition de l'annotation d'accès par point. Donc voilà, donc on écrit avec date entrée fer et je fais donc l'affectation simple sur les champs. Donc de même ici pour l'opération de lecture, donc j'écris avec date entrée fer, lire jour, lire mois, lire année, fin avec, et ceci va de même avec la troisième opération de manipulation d'un enregistrement qui est l'affichage. Alors, ce vocabulaire de cette structure est donné en algorithme. Alors, cette structure, comment on l'écrit en langage Pascal? Donc, elle se nomme WIVDO.
Donc voilà, donc j'écris WIFP DOU. J'encadre mon ensemble d'instructions par la clause BEGIN et END point virgule. Donc, et ceci va de même pour les deux autres opérations de manipulation d'un enregistrement. De même pour le champ date entrée, donc j'encadre l'ensemble des instructions par la clause BEGIN et END point virgule. Et voilà, vous voyez qu'avec cette structure, je peux éviter la répétition donc, de la notation d'accès par point. Alors, dans le cas général, la structure avec fer, donc on algorithme, donc on écrit avec variable fer, ensemble d'actions et fin avec, et ici on veut dire par le mot action, affectation, lecture ou bien affichage. En langage Pascal, donc on écrit with variable do et on encadre l'ensemble des actions par la clause begin et end point virgule. Alors, arrivons maintenant à la dernière partie de notre plan, c'est la partie d'évaluation. Alors, on va commencer par une première évaluation qui va prendre la forme d'un QCM. Donc, on va choisir la bonne réponse. Alors, je commence par la première question. Alors, une variable de type enregistrement peut contenir en même temps plusieurs valeurs de même ou différents types, uniquement des valeurs de type différent ou bien uniquement des valeurs de même type. Alors la bonne réponse ici, c'est plusieurs valeurs de même ou différents types. Je passe maintenant à la deuxième question. Alors, il est possible d'affecter une variable enregistrement dans une autre, c'est-à-dire j'écris E1 reçoit E2. Alors, la première proposition, non. Deuxième proposition, toujours possible ou bien possible à condition qu'elle ait le même type. Donc, nous avons vu que cette affectation n'est possible que si les deux objets ont le même type. Et voilà, la troisième réponse, c'est la réponse correcte. Alors, je passe maintenant à la question numéro 3. Donc, une variable de type enregistrement peut contenir un ou plusieurs champs de type enregistrement. Alors, ici, c'est bel et bien clair. Donc, la réponse, c'est oui. Donc, c'est l'utilité de l'utilisation de la structure enregistrement. Alors, question numéro 4. La structure avec fer peut être utilisée avec une opération d'affectation seulement, une opération de lecture seulement ou bien avec une opération d'affectation, de lecture ou d'affichage. Donc ici, la bonne réponse, c'est la troisième. Donc cette structure algorithmique est utilisée avec les trois opérations de manipulation d'un enregistrement. Alors, pour la dernière question, donc on accède au champ C d'une variable V de type enregistrement par la notation C.V ou bien V.C. Donc, je répète ici la question. On accède au champ C d'une variable V de type enregistrement par C.V ou bien V.C. Donc, C, c'est le nom de mon champ et V, c'est le nom de ma variable. Donc, tout à l'heure, donc, nous avons vu qu'il faut mettre nom de la variable point nom champ. Donc, c'est pour cette raison que la deuxième proposition est correcte. Donc, V.C. Et là, je serai vraiment satisfaite si vous avez bien choisi les bonnes réponses. Alors maintenant, on va passer à la deuxième évaluation. Donc, vous suivez ici. Donc, on a la déclaration des types suivants. Bien sûr, ce sont des enregistrements. Alors, on a adresse égale record. Donc, c'est un enregistrement qui est défini par les trois champs rue, CCP, c'est-à-dire code postal, et ville. Puis, on a donc l'enregistrement employé qui est défini par les champs nom, prénom, âge, genre, ADR qui est de type adresse. Donc ici ADR, c'est un champ de type enregistrement. Puis on a la déclaration des variables. Donc E et E1 sont de type employé et A de type adresse. Alors, la question ici, on va compléter le tableau suivant. Donc, on a un ensemble d'instructions et pour chaque instruction, on va mettre valide ou invalide et la justification si notre instruction est invalide. Alors, je commence par la première, là où on a lire E.ADR.
Comment savoir si notre instruction est valide ou invalide? Donc, je reviens ici à la déclaration des types et des variables. Donc, E, c'est quoi? Donc, E est de type employé. Donc, je reviens au type employé. Donc, ici, mon champ ADR est de type adresse. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc, la manipulation d'un champ de type enregistrement doit se faire champ par champ. Donc, c'est pour cette raison que la lecture ici, elle est invalide. Donc, ADR est un champ de type enregistrement. Sa lecture doit se faire champ par champ. Alors, je passe maintenant à la deuxième instruction. Donc, là où on a l'affectation E reçoit A. Alors, E ici est de type employé et A est de type adresse. Donc, ils n'ont pas le même type. Donc, c'est pour cette raison que cette instruction est aussi invalide. Je passe à la troisième. Donc, on a écrire E point nom. Donc, E est de type employé. Donc, je reviens au type employé. Donc, je vais trouver un champ qui se nomme nom. Donc, ici, c'est une instruction qui est valide. Donc, j'affiche le champ nom qui appartient à la variable E. Alors, l'instruction suivante. Donc, ici, on va affecter la valeur 3100 au champ CCP qui appartient à la variable E. Donc, E est de type employé. Donc, ADR, c'est un champ qui appartient au type employé. Donc, je reviens ici, CCP, donc il fait partie, c'est un champ qui appartient au champ adresse. Et voilà, donc cette affectation, elle est correcte. Alors, maintenant, je veux affecter le contenu du champ CCP appartenant à la variable E au champ CCP appartenant à la variable E1. Alors, est-ce que c'est possible de faire cette affectation? Donc, nous avons vu tout à l'heure que si les deux objets ont le même type, donc cette affectation est correcte. Donc, on revient ici juste pour rectifier. Donc, E et E1, voilà, ils sont de même type qui est employé. Donc, cette instruction est valide. Alors, passons maintenant à la suivante. Donc, écrire E1.ADR. Alors ici, on a E1 de type employé. Donc, ADR est un champ de type adresse. Donc, sa manipulation doit se faire champ par champ. Donc, l'affichage ici, on ne peut pas écrire E1.ADR. Donc, c'est une instruction invalide. Donc, ceci donc, va de même avec la lecture. C'est la même erreur. Alors, passons maintenant à l'instruction suivante. Donc, on va affecter la chaîne Kerouan au champ ville appartenant à la variable A. Puis, on va afficher le contenu de ce champ. Alors, A, ici, comme vous voyez, elle est de type adresse. Donc, je reviens ici au type adresse. Donc, je trouve le champ ville. Donc, cette affectation est correcte. Puis, je vais afficher. Donc, j'écris A.ville. Je vais obtenir le contenu de ce champ. Donc, c'est une instruction qui est correcte. Alors, arrivons maintenant à la dernière instruction. Là, on a lire A.nom. Alors, ici, on a donc A de type adresse. Donc, je reviens ici. Est-ce que j'ai le champ nom qui appartient à cette variable? Donc, ici, on a uniquement les trois champs rue, CCP et ville. Donc, c'est pour cette raison que cette instruction est invalide parce que nom ne fait pas partie des champs appartenant à cette variable. Et voilà, j'ai terminé avec cette évaluation. Donc, on va passer à la dernière. Donc, dans cette évaluation, vous suivez, donc on va identifier les erreurs dans la déclaration de l'enregistrement vol ci-dessous et on va corriger les erreurs. Alors, je lis, donc on a programme évaluation 3. Donc ici, c'est mon type enregistrement, donc vol égale record point virgule, begin, donc j'ai la déclaration des champs, code avion, numéro de vol, destination, heure départ de type temps et durée de type temps aussi. Et voilà, j'ai la déclaration de ma variable V de type vol. Alors, c'est quoi ici temps? Donc, sachant que temps est un type enregistrement contenant les champs heure, minute et seconde de type entier. Alors, sachant que le type temps est un type enregistrement contenant les champs heure, minute et seconde de type entier. Alors, quelles sont les erreurs ici? Donc, je commence avec la première. Donc,
Le point virgule ici, donc on ne doit pas mettre point virgule devant le mot-clé « record ». Donc ça, c'est la première erreur. Ensuite, j'ai utilisé donc, le mot « big » pour la déclaration d'un enregistrement. Donc j'utilise uniquement un de point virgule sans être associé avec le mot « big ». Troisième et quatrième erreur, donc ici j'ai utilisé un type temps qui est un type enregistrement, mais on a oublié de le déclarer. Et la déclaration de l'enregistrement vol, donc on a oublié de la précéder par le mot-clé type. Alors comment va-t-on corriger ces erreurs? Donc vous suivez. Donc tout d'abord, avant de déclarer les enregistrements, donc on doit écrire le mot-clé type. Donc ensuite, je vais déclarer mon enregistrement temps. Donc j'écris temps égale record sans mettre point virgule et sans mettre big. Donc je déclare les trois champs heure, minute et seconde. Puis je déclare mon enregistrement principal qui est vol. Et voilà, je n'ai pas utilisé le point virgule et je n'ai pas utilisé big un de point virgule. Et voilà, donc mon code est corrigé. Et voilà, mes chers élèves, notre leçon est achevée. Merci bien pour votre attention. Bon courage, bonne révision et à très bientôt dans une nouvelle leçon d'apprentissage.